Et le broker du jour pour faire un tour d'horizon des différents marchés dans le monde avec nos deux analystes hein, de chez eToro, courtier en ligne et réseau social. Bonjour Bonjour. David Derry, vous êtes avec nous en plateau. Et bonjour Antoine Fraisse-Soulier, vous êtes avec nous par visioconférence. Vous êtes tous les deux analystes marché. Et on commence par l'Europe avec vous Antoine et un point technique sur le CAC 40 qui a du mal à sortir hein, de sa phase de latéralisation. Bonjour à tous. Alors, effectivement, aujourd'hui, les publications de résultats d'entreprise prennent le pas sur la macroéconomie. On voit que les premières publications de résultats sont plutôt encourageantes, aux États-Unis, mais également en France. Ceci étant, le CAC 40 n'arrive pas à dépasser ses plus hauts. C'est vrai qu'on reste contenu aux alentours des 6 700 points. Il y a quelques séances, on était au-dessous, maintenant on est au-dessus. Mais on n'arrive pas vraiment à dépasser eh bien, ces anciens plus hauts hein, qui se situent maintenant à 6 900 points. On n'arrive pas à s'y rapprocher. Alors, cette semaine, hein, on va publier de nombreux résultats d'entreprises. Plus de 17 sociétés du CAC 40 vont publier leurs résultats. Sur les premières publications, on voit que eh bien, l'accélération des chiffres d'affaires ont plutôt été bonne. Notamment pour certaines valeurs comme L'Oréal ou encore Pernod Ricard. Oui, d'ailleurs, le luxe français a publié, et notamment L'Oréal, hein, les résultats étaient quand même assez bons. Oui, effectivement, L'Oréal a agréablement surpris lors de ses publications vendredi dernier, puisque déjà le titre a progressé de 6% au moment de sa publication. Alors, c'est essentiellement dû au fait que la croissance de son chiffre d'affaires a été très bonne, puisqu'on a 18% de hausse des ventes, hein, c'est considérable. Et quasiment tous ses produits sont en hausse, notamment les soins pour la peau ou le maquillage. Voilà, donc c'est plutôt de bon augure pour la suite. C'est surtout les États-Unis qui ont tiré la croissance, hein, puisque aux États-Unis, on a eu une hausse de 22% du chiffre d'affaires. Alors, c'est essentiellement dû à la réouverture et des frontières ou à la fin du confinement aussi aux États-Unis. La Chine reste un peu en retrait à 13%. Mais c'est toujours des résultats extrêmement solides, même si maintenant le titre est assez fortement valorisé puisqu'il se paye 52 fois les bénéfices. Donc un PER à 52, c'est assez élevé pour L'Oréal. Toujours est-il que lorsqu'on regarde graphiquement, toujours une évolution positive et dynamique haussière sur le titre. L'ouverture du gap haussier, c'est aussi un bon signal d'achat sur L'Oréal. Et d'ailleurs, le titre c'est la plus forte hausse du CAC ce matin à l'ouverture. Et une autre valeur qui profite bien de la forte demande, et notamment dans les boissons, c'est Pernod Ricard. Effectivement, Pernod Ricard qui a inscrit un nouveau sommet historique en bourse la semaine dernière, à la faveur de résultats plutôt très bons, puisque le chiffre d'affaires a bondi de 21% à 2,7 milliards. Et surtout, surtout, les chiffres sont meilleurs qu'en 2019, hein, qui est une année entre guillemets normale. Aujourd'hui, de nombreux analystes comparent les chiffres à 2019 plutôt qu'à 2020. Et par rapport à 2019, on a une progression du chiffre d'affaires qui est de 9,5%. Donc, c'est quand même de très bons chiffres. Notamment, le redémarrage a été dynamique en Asie, hein, surtout. On voit qu'en Asie, on a une hausse de 23%. Alors, petit bémol, c'est que la direction n'a pas précisé d'objectif pour la fin de l'année. Donc, il n'y a pas eu une grosse, enfin, un gros engouement, pardon, sur le titre. Mais il grappille toujours des pourcents et on voit que, notamment sur le graphique, on est dans un canal haussier depuis maintenant plus d'un an. Et vraiment, on est sur une constante évolution positive du titre Pernod Ricard.